Bon, Boisdin, je suis venu dans ta grotte là pour faire ton émission, là, BD Vlog, mais par contre j'ai la dalle, donc tu me fais à bouffer. Oui, mais... Qu'est-ce que t'as prévu? Attends, justement, ce soir c'est des faritas. Oh, des faritas, j'adore ça. Donc c'est bon, ok, c'est bon, on valide. On y va? On fait la BD. Allez. Salut, c'est Boisdin. Et Boisdeux. Et on va vous parler enfin. Enfin, beaucoup de gens l'attendent. On l'a eu plein de fois en commentaire, un petit c'est peu vrai comme. On a eu des commentaires? Oh, ouais. On a une chaîne YouTube. Ouais. Putain, c'est fou, ça. Il y a des gens qui regardent. Non. Si. C'est vous. Ouais. On va parler de Black Sad. Black Sad. Voilà. Black Sad. Monte le machin. Je monte le truc. Voilà. Black Sad. Qu'est-ce que c'est, Loisel? Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Donc vous avez été nombreux à nous spammer avec Black Sad et aussi avec Loisel, parce que c'est deux grands trucs de la BD franco-belge. C'est vrai que Loisel, c'est quand même un... Et justement, génial, hein. Loisel, on va en parler. On va en parler. On en parle tout de suite. Prends. C'est juste pour exemple. Donc, j'ai pris. Donc voilà, Loisel, on connaît. Et c'est lui qui a justement fait la préface Loisel de Black Sad, tome 1. Putain, c'est bon, ça. Achetez ça, c'est bien aussi. Donc Black Sad, une BD faite par, au scénario par Juan Diaz Canales, et au dessin et couleur Juanjo Guarnido. Alors excusez-nous, espagnol LV2, voilà, on a trop géré. Donc deux espagnols, mais le dessinateur est plus ou moins français parce qu'il travaille à Paris au studio Disney. Et c'est notamment lui qui a fait Ça vaut ce que ça vaut, oui. Les décors du bossu de Notre-Dame, L'animation de Hadès dans le film Hercule. Voilà. Et aussi la panthère dans le livre de la jungle. Et justement, la panthère noire dans le livre de la jungle qui ressemble bizarrement à Black Sad. À Black Sad, le chat. Voilà, donc le mec aime dessiner les animaux, déjà. Donc on va pas revenir sur toute la série qu'on a pu le faire avec le combat ordinaire ou avec la jeunesse de Picsou, on va juste vous parler du tome 1, sans spoiler, pour donner envie aux gens qui connaissent pas, et peut-être pour conforter dans l'idée les gens qui connaissent, t'as compris les bails, on y va. D'ailleurs, le tome 1 de Black Sad qui a connu une production très, très compliquée, laborieuse, le dessinateur et le scénariste ont commencé à parler de ça en 1990, finalement en 1980... Notre date de naissance. Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. En 1996, ils ont commencé à travailler dessus sérieusement pour balancer le truc en 2000. Voilà. Donc, et trois maisons d'édition. Trois maisons d'édition, leur Dargo, Delcourt et Casterman. En 97, leur ont dit ouais, banco, on prend votre truc. Ont accepté le projet et finalement, ça a été édité chez Dargo. Voilà, ils ont dû proposer plus de pognon, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Exactement. Maintenant, petit synopsis des familles. Du début. Synopsis des 15 premières pages pour lancer le machin. Okay. Allez. Imaginez dans un monde américain, New York des années 50, un peu noir, dark, polar, jazz, etc. Polar, roman noir, policier. On a compris, vas-y. Détective privé. Oui. Sherlock Holmes. T'es un marrant, c'est pour ça que je te tuerai le dernier. Et donc dans ce monde américain des années 50, tous les êtres vivants sont des animaux. Donc des humanoïdes animaux. Voilà, des furies. Hein, des furies. Mais ça a un nom, hein, c'est genre animorphe, anthropomorphe, un truc dans le genre. On s'en fout. Et nous suivons Black Sad, donc il travaille pour la police, il est pas vraiment détective, parce que il est dès le début, on voit le commissaire. Commissaire qui est un berger allemand. Qui est un berger allemand. C'est marrant par rapport à Rex. Vous savez la vieille série Rex? Non? Personne ne sait. D'accord. Comme référence. Bah moi je regardais Rex, voilà. Joli chapeau. Donc Black Sad qui est policier et qui enquête du coup sur la mort d'une de ses ex. Voilà, donc vous avez compris comme il l'a dit avant, c'est un polar, un bon vieux polar, sauf que c'est des animaux. Le début est très cliché, ça fait genre une prostituée qui a été tuée, on va enquêter sur sa mort, un peu comme le début de film très connu là, qui est Sin City, le début de Sin City. Goldie est morte. On m'a collé un meurtre sur le dos. Donc Rex, qui s'appelle Smirnov, mais je vais l'appeler Rex. Le berger allemand, donc le chef des policiers si vous suivez. Oui, qui s'appelle Rex, dit à Black Sad que c'est trop personnel, étant donné qu'il a connu la victime, qui est une... Il est sorti avec, d'ailleurs Black Sad nous l'explique après. Que c'était un de ses grands amours. Et voilà, s'ensuit une enquête. Évidemment, une enquête. On va pas vous dire la suite, ce serait complètement con. Et c'est pareil pour les autres tomes, à chaque fois c'est une enquête. C'est ça qui est bien, chaque tome est une enquête indépendante. Oui, et du coup, il y a quand même un lien entre les albums, il y a un univers qui se construit.
qui est très intéressant. Mais on va arrêter de dire des choses sur le scénario, car vous avez compris que si vous aimez le polar, les trucs comme ça, un petit peu noir, etc. Déjà, il y a un intérêt, il y a quelque chose. Oui, c'est de la bonne enquête, c'est bien. C'est une ambiance un peu, moi je trouve, à la, qui veut la peau de Roger Rabbit. Parce que c'est une enquête, mais il y a des trucs drôles. Et là, il y a des, il y a un côté drôle parce que c'est des animaux. D'ailleurs, le tome 2 est exclusivement consacré au racisme. Parce que dans un monde où il fait d'animaux, forcément, il y a des clans qui se créent, et des sous-races, soi-disant, ou des races. Il y a un exemple de ça dans le tome 1, c'est quand un rat rentre dans un bar tenu que par... Enfin, fréquenté et tenu uniquement que par des sang-froids. Des sang-froids, donc les lézards, tout ce que tu veux, crocodiles. Et bah du coup, le rat est très mal accueilli. Oui. Et le tenancier du bar lui dit une phrase du genre « On n'aime pas bien les poilus comme toi par chez nous ». On n'a pas dit que c'était un tome de 48 pages, donc du format franco-belge classique. Donc c'est assez court à lire. Ça se lit rapidement parce qu'il y a beaucoup de grandes cases, ouais. Et etc. Il y a une pleine page magnifique. Ça, je voulais le dire. Et secondo, on n'a pas dit que... je sais plus ce que je voulais dire. Secondo. Non. On est toujours sur secondo, là. Voici votre temps de réflexion. Secondo, par rapport au fait que c'est un polar, etc., on a vraiment l'impression, on parlera du dessin après, mais avec le dessin en plus, d'être dans un film, un polar, un vieux polar, car la narration est exactement pareille. C'est-à-dire qu'on suit Black Sad, il y a des moments présents où c'est lui qui parle, les personnages qui parlent, etc. Oui. Mais sinon, il y a des moments où c'est une voix off pratiquement tout le temps. Hein. Maintenant, parlons du dessin de Juanjo quelque chose, un super manga. On pourrait résumer, on pourrait très bien lire la préface de Loisel, qui résume tout. Ouais, Loisel, il dit qu'en voyant ses dessins, ça a poussé Loisel à se surpasser. C'est pas rien, parce que Loisel, je vais redire le truc, c'est pas Joël Clodo. Ouais. Loisel, quand même, hein, il dessine bien, quand même. Il a pratiquement créé les BD d'Heroic Fantasy, le gars. Et donc, lui qui dit au début de l'album que... Vu ses dessins, il s'est pris une claque et il a voulu se surpasser lui-même. C'est que les dessins, vous imaginez que c'est des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, pendant cette chronique, je veux qu'on mette plein de dessins. Mettons plein de dessins pour bien faire galérer le monteur. Parce qu'en plus, Black Sad, si vous allez au Festival d'Angoulême ou n'importe quel festival ou dans n'importe quelle boutique de bande dessinée, c'est quasiment un des produits dérivés, surtout en affiches, etc. Ouais, en grandes affiches, c'est classe. Qui a le plus, parce que chaque case est une peinture. Et c'est magnifique. Peinture, oui, peinture, parce que aquarelle magnifique, et couleurs qui sont incroyables, les ombres, les plis dans les manteaux, je sais même pas quoi dire, c'est magnifique. C'est d'ailleurs dessiné en très grand format, à mon avis. Ouais, ça se voit que c'est du A3. En assez grand format, parce que c'est de l'aquarelle et que c'est quand même très détaillé, et que, je le redis, mais on voit que le mec a travaillé chez Disney, parce que Les mouvements sont super bien. Les mouvements, il était animateur chez Disney. Les scènes de baston sont incroyables. Donc, quand t'es animateur chez Disney, niveau mouvement, tu gères, et ça se voit. Tu gères la fougère. Il y a quelques scènes de combat, justement, enfin, de combat d'action, ouais. Où c'est, enfin, t'as l'impression de voir bouger les personnages, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est du dessin réaliste. D'habitude, j'aime pas le dessin réaliste, je trouve que, enfin, ça représente pas la bande dessinée. Tu vas pas te casser le cul à faire la réalité en BD. Sauf que là, c'est du dessin réaliste et c'est des têtes d'animaux. Bah, nous, ce qu'on aime pas, c'est genre du Largo Winch, des trucs comme ça. Enfin, du Anki Bilal. Anki Bilal, non. Peut-être faire des ennemis avec ça. Je cautionne totalement. J'aime pas Anki Bilal, je trouve ça dégueulasse. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Et donc là, c'est du dessin réaliste. C'est pas de la peinture, donc c'est de l'aquarelle, ce qui fait beaucoup plus bande dessinée quand même. Secondo, l'aquarelle donne ce côté polar, parce que l'aquarelle n'est pas une peinture qui donne... on peut pas faire de couleurs vives avec de l'aquarelle. Non, ça va forcément. C'est forcément toujours un petit peu sombre. Et soit tu vas partir dans le pastel, donc dans le kitsch, soit tu vas partir dans des couleurs sombres. Donc ça va être du marron, du bleu, il y aura jamais de jaune vif, de rose, etc. Donc du coup, pour le côté polar, l'aquarelle, c'est juste parfait. Parfait, c'est le mot, voilà. S'il vous faut un mot pour décrire le dessin est parfait. Vous allez vous prendre une claque comme jamais en lisant Black Sad. Mais les mecs font, enfin les mecs, oui, surtout le dessinateur à mon avis, met 3 ans à sortir un album. Il sort une BD, il en sort un tous les 3 ans. Parce qu'à mon avis, il y a, comme chaque case est une peinture, à mon avis, il y a du taf derrière. Il fait des animaux et il arrive à les rendre plus expressifs que des humains.
exactement. Et étant donné que c'est des animaux, il a ce pouvoir de pouvoir exagérer un petit peu les expressions sans que ce soit choquant. Et il peut aussi gérer les selon le caractère des animaux. Il va pas faire réagir le chat donc comme un chien ou comme un rat ou comme un lézard. Comme un lézard. Il y a des moments où Black Sad fait très humain. Quand il est posé, quand il fume des clopes, etc. Ça fait très humain. Par contre, il y a un moment, par exemple, il y a une case dont je me souviens vraiment, elle est imprégnée en moi, où il a son pistolet dans la gueule de quelqu'un. Ouais, c'est excellent celle-là. Et là, il a vraiment l'expression d'un chat en colère. Et là, on voit plus Black Sad, on voit plus un personnage humain. On voit l'animal en colère. On voit un animal en colère. Et ça, c'est incroyable. Il y a même du cul. Non, faut le dire. Faut le dire. Les deux premières pages de la BD, ouais, c'est du cul. Il y a un peu de cul, on voit quelques animaux, un peu comme, imaginons les pubs Fanta. Vraiment très réducteur, mais les pubs Fanta, assez réducteur. Où on voit du coup des femmes girafes avec des seins, etc. Ou des femmes tigres avec des... Voilà, c'est un peu ça, mais en beaucoup mieux. Et c'est très bien fait. En gros, sur le dessin, déjà, j'espère que ce qu'on vous a montré vous a donné envie, parce que c'est les meilleurs arguments qu'on pourrait avoir. Et de deux, moi, personnellement, j'étais en chien devant. Blague, lol, chien. Et j'avais quasiment envie de devenir un furry, quoi. Et de... Oui, parce que les furies font que des trucs... Oui. Mais c'est assez réducteur de balancer le mot furie, je pense. Je trouve. Non, mais c'est une communauté que j'affectionne tout particulièrement, c'est vraiment pas contre vous. C'est cela, oui. Black Sad, c'est donc un incontournable. Ça, c'est sûr. Oui, avec un scénario super, une enquête tout à fait géniale avec de rebondissements et tout, haletante, etc. Ouais. Avec plein de personnages. Pas trop bien long, en plus, voilà, tu prends tout. Bien expliqué et tout. Et secondo, vous allez en prendre plein les mirettes. Moi, comme tout le monde, c'est pour ça qu'il y a plein de produits dérivés là-dessus, je l'ai dit au début, après avoir lu Black Sad, que ce soit un tome, deux tomes, trois tomes, six tomes, vous aurez envie de vous acheter un petit poster et de vous le mettre chez vous parce que les dessins déchirent. Voilà. Pour les connaisseurs, je suis pas sûr que c'était utile de regarder cette vidéo, hein, si vraiment vous avez déjà lu Black Sad, je ne sais pas ce que vous foutez encore là. C'est un grand classique et il fallait qu'on le fasse au moins un jour. Et pour les gens qui connaissent pas, et bah, c'est utile car il faut absolument que vous lisiez ça. C'est du caviar. Voilà, c'est impossible de passer à côté. Donc bref, abonnez-vous si vous voulez d'autres BD vlogs, évidemment. Et oui, et Tipeee. Et partagez. Et voilà. Et puis c'est... Et mangez... Des frites. Des frites. Tes faritas, ça était super. Merci. T'avais pas des chats avant? Non.